Bonsoir à tous et bienvenue sur Resident Evil 7 pour l'ultime vidéo sur le jeu. Je suis super content de vous retrouver pour la fin de Zoé. C'est donc le second DLC suite directe de notre Hero avec Chris, qui était vraiment un super DLC, certes orienté action, mais avec tout de même une bonne dose de tension, parce qu'effectivement, il y avait des ennemis qui étaient plutôt effrayants, qu'on ne pouvait pas tuer simplement avec des balles classiques, fallait des balles spéciales. Et en plus, on était assez cloisonnés, hein, c'était un confinement assez étouffant, avec des sports, etc. Donc non, franchement, bon DLC, et aujourd'hui, la conclusion de l'histoire de la famille Baker. Et on va enfin savoir ce qu'est devenu Zoé. Et oui, parce que souvenez-vous, on l'avait laissé sur un ponton, on n'avait pas suffisamment de doses, et ça m'avait fendu le cœur, je me souviens. Alors, quelques semaines après, pas un héros, un nouveau danger fait son apparition. Oula. Joe Baker, le frère de Jack, doit faire face à ce danger avec ses poings et mettre un terme à la souffrance de sa famille. Ah, Joe, mon héros. C'est parti, on lance. On va donc découvrir cette dernière aventure, dernière session hein, sur R7. Profitez-en. La prochaine fois, le prochain héros sur la chaîne, ce sera Village. Oh, que j'ai hâte. Allez, c'est parti. Donc, toujours bien sûr en mode normal. J'ai dû en utiliser un. Il n'en reste plus qu'un. C'est bon. C'était idiot de penser que je pourrais m'échapper. Je suis sûre que quelqu'un peut t'aider. C'est chez moi. Apparemment, ma place est ici. J'enverrai de l'aide. Pas la peine. Il n'y aura plus personne à secourir. Mine de rien, ça veut dire que le jeu considère que finalement il n'y avait qu'un seul choix potable quand on a voulu, tu vois, sauver Mia dans le jeu de base. Non, Evie, pitié. Quelqu'un ici. Hey, je crois qu'elle était Qu'est-ce dans le dossier. Qu'est-ce que vous foutez? Hey, c'est bien elle. Zoé Baker. Elle respire encore. Il faut prévenir le QG. Vous avez dit Zoé? Monsieur, vous vivez ici? Mais qu'est-ce qu'elle a? On Zoé! On vient vous aider. Est-ce que... Bon sang, qu'est-ce que vous lui avez fait? Monsieur. Hey, Paul. Oh. Arrêtez, arrêtez. Oh, c'est pas vrai. Zoé. Oh, bordel! Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Écoute-moi. On est là pour vous aider. C'est ça. Et moi, je suis la reine d'Angleterre. Dis-moi. Depuis quand les secours débarquent avec des hélicoptères de combat? T'as aucune idée de ce qui se passe. Tu saisis pas! Tu penses que je sais pas qui vous êtes? Avec tous ces monstres qui rôdent dans le coin. Alors, d'où est-ce qu'ils viennent? C'est pas ce que tu crois. Tu comprends pas! Ah, je comprends pas! Tu vois cette fille là-bas? Regarde! Ça, c'est la gamine de mon frère. Ma nièce! Tu comprends? Et par ici! La famille! C'est quelque chose de sacré! Alors, je ne serai pas à ma famille! Il est hors de question que je vous laisse faire! Pour la dernière fois, elle est infectée! Elle va mourir, et nous aussi on va crever, si on se tire pas d'ici tout de suite! Elle est pas encore morte, du con! Alors je te conseille de faire quelque chose pour elle, avant que je te donne à bouffer à tes petits copains! C'est bon, c'est bon! Il y a un remède. Tu te fous de ma gueule! C'est la vérité! C'est la vérité! On était sur le point de lui amener le traitement! Avant que tu viennes tout foutre en l'air! Ils nous attendent sûrement encore à l'heure qu'il est! Où ça?
Ils l'ont mis dans une vieille cabane, pas très loin d'ici. C'est là-bas, je le jure. On va arranger ça, Zoé. T'es ma famille. C'est stylé, remarque. Eh bien, écoutez, on va aller chercher ce fameux remède. Joe, j'ai l'impression que c'est un sacré bourrin, j'aime bien. Alors, un peu de lecture. Ce que j'ai vu aujourd'hui n'avait rien d'un alligator. Je déteste ça. Je suis sorti vérifier les lignes et j'ai vu que j'avais attrapé quelque chose. Alors j'ai mouliné. Dieu seul sait ce qu'était cette chose couverte de boue avec ses griffes et ses énormes dents. Cette saloperie a tenté de me bouffer, alors je lui ai mis des droites dans la mâchoire. Ah quand même, avant qu'elle n'y parvienne. Je n'aurais jamais pensé voir ça de mes propres yeux. Encore un coup de ce putain de gouvernement qui mène ses expériences secrètes sur des êtres humains et des animaux. J'en mettrai ma main à couper. Ça explique aussi ces hélicoptères qui survolent le coin ces derniers temps. Eh bien, sacré bonhomme ce Joe. Délicieux. Bon appétit. Alors, on va bientôt vérifier. Qu'est-ce qu'on a dans l'inventaire d'ailleurs? Manuel de survie de Joe. Et notes de Joe sur la façon d'affronter les créatures qui ont envahi les marais. Comment tuer ces choses? Leur corps a beau être résistant, leur tête est plutôt molle. C'est là qu'il faut frapper. D'accord, donc ça c'est important. Les enchaînements de coups de poing, même si bon, je pense que j'aurais fait ça de base. Ça aurait été mon premier réflexe. Les enchaînements de coups de poing qui fonctionnent bien. Gauche, droite, puis une série de droites rapides. Ah mais en fait c'est le DLC Fight Night! Super! Gauche, droite, puis une série de droites rapides. Ouais. Droite, gauche, droite, et un puissant gauche pour finir. Tester et approuver. Leur tête peut facilement être écrasée sous la semelle quand ils sont à terre. On peut s'accroupir et se faufiler derrière eux quand ils ont le dos tourné, pas les tuer par surprise sans même avoir à combattre. D'accord. Il y a un truc derrière, non? À part un petit logo inutile, rien d'autre. Eh bien écoutez, allons-y. Partons à l'aventure dans les marais. Alors on a un coffre, directement une première sauvegarde ici. Bon. Je vais virer le doc pour commencer. Et on va save. Allez. La petite sauvegarde. Et donc on est main nue. Ah c'est spécial hein, comme DLC. Enfin tant mieux, ça change. On va vérifier vraiment partout si on n'a pas des objets qu'on puisse combiner. Oh un vieux barbuck. Vous pouvez stocker les objets ici. D'accord. Bon ça je sais c'est un coffre quoi comme d'hab. Est-ce que je peux taper dans la bidoche? Eh ben oui. On s'entraîne. Une gauche, une droite, une série de jabs. Ça va être trop marrant. LT, RT, RT. Ah d'accord. C'est incroyable. Oh le jab, c'est trop bien. Faites un combo en enchaînant les coups de poing dans cet ordre. Ouais. Ah ouais d'accord, avec le percut au bout. Ah attends, mais c'est un jeu de combat le truc. C'est incroyable. Et le jab. J'adore. Je suis déjà fan. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Un verre, magnifique. Appuyez sur Y pour ouvrir l'inventaire, puis RB pour voir les combinaisons possibles. Peut-être combiner avec du fluide chimique pour créer un objet de soin, mais non. Ou manger tel quel pour récupérer un peu de vie. Ah, on va bouffer des verres. Bon écoutez, quand il faut, il faut. Et c'est bien dégueulasse. Alors je vais combiner, ça me donne un remède. Voilà, je préfère ça. En fait, c'est ce qui remplace l'herbe classique. Si je comprends bien. J'ai entendu un bruit. J'ai entendu... Centipède. Peut-être combiné avec du fluide chimique. D'accord, pareil. Et on peut le consommer comme ça. Ou manger tel quel pour récupérer un peu de vie. D'accord, on va récupérer des vers ou des bestioles, peu importe. Espèce d'étron ambulant. Qu'est-ce que je vois juste devant? Je peux tous. Viens par ici. Prendre à main nue. Allez. Bam, bam, et le jab. Je l'aime pas toucher avec mon jab. J'ai fait gauche, droite, gauche, droite. Ah, c'est original. Par contre, il doit avoir une sacrée puissance de frappe, hein, parce que quand même, hein, on les couchait avec un fusil à pompe, hein, dans le jeu. Pas... Il a son compte. Ah, je pense qu'on peut l'écraser, attends. Non. Le jab. Oh, la projection. Mais c'est génial. Oh, j'adore. Joe, tu es véritablement mon héros. Je confirme. Y'a rien sur les tonneaux, non j'ai bien vérifié. On a toujours un petit insecte, mais pour l'instant on s'est pas fait toucher, pas besoin de récupérer de la vie. D'ailleurs, notre life, hein. On n'a pas d'infos, on n'a pas de montre, rien. Là on est vraiment à nu quoi. Je t'ai vu petit. Par contre quand il est solo encore ça devrait le faire, mais quand ils sont plusieurs après, je ne dis pas. Je suis le percut. Attends.
Ouais, on peut sûrement se protéger aussi là. Ah oui, il percute. Joli. Et puis t'as vu, j'ai pu enchaîner avec, avec du jab après. Protection. Ça marche. Mais je suis tellement fan du système de combat. Alors c'est simple, hein, attention, mais tellement bien. On les écrase. Je vous écrabouille. J'en fais de la pâté pour chien. Très bien. Sur les caisses, non. J'adore les camions américains. À mon avis, il doit plus rouler celui-là. Rien à récupérer là-dessus. Allez, on enchaîne. Ah, c'est un gros bourrin, quoi. Par contre, ça marche pas, si. Ah, si. Faut juste être patient, quoi. Alors, poupée boxeur. Ouais. Collectionnez les poupées pour améliorer votre force d'attaque. D'accord. Ceci, normalement, je peux le combiner avec, avec la bestiole. Ça me fait deux remèdes. Super. Une poupée sinistre utilisée pour la magie noire. Chaque poupée dans votre inventaire augmente votre force d'attaque de 1%. Ok, je vois le délire. Ça, c'est pas mal. C'est un petit pet, donc pareil, c'est un insecte. Ça, je pense pas que je puisse combiner pour l'instant. Et est-ce qu'il y aura des armes dans ce DLC quand même? Faut pas déconner. Hein. Alors, c'est super bien hein, le gameplay au point. Hein. Y a pas de souci, mais c'est un peu limité quand même. Remède contre infection de type E. Putain. Donc j'ai le remède. Bon. Oh, quelle horreur. Tu te doutes bien que ça va pas se passer comme prévu, hein. Oula. Les jabs. Ouais, frappe, mon gros, frappe. J'ai pas mal, j'ai pas mal. Ton jab, ton jab. Écrasement. Je vérifie qu'il n'y ait pas un autre monstre. Ça a l'air bon. Je vais couper la jambe gauche. Il se relève pas. Très bien. Vous êtes moche quand même, hein. On enchaîne, tu vois, avec l'uppercut qu'on réussit à faire un combo et le jab. Protection. Ah, je me suis fait un petit peu touché quand même. Oh, joli combo. Je mets les points sur les i. Oula. Allez. Continue. T'arrêtes pas. Ah, je voulais l'écraser. Je peux le temps. Termine avec le jab. C'est tout bon. Ouais, bah écoutez. Pour l'instant, il est pas mort. Qu'est-ce que je fais? Ah d'accord. Je prends la tête comme ça et zbam. Et d'une violence. Allez, on va revenir chercher Zoé, mais à mon avis, soit elle sera plus là, soit on va se faire arrêter avant. Parce que le DLC ne peut pas se terminer que maintenant. Pourquoi les arbres tombent devant? C'est un petit peu inquiétant, hein. Reste en feu. Non. Mmh. Non, non, non. Ah, je fais que ça courir. Zoé, j'arrive. Zoé. Tiens bon, Zoé. Ah, on a pu lui injecter. Pourvu que ça fonctionne rapidement. Non, on dirait qu'elle est gelée, quoi. Merde, pourquoi ça marche pas? C'était pas plein, c'est ça? Ça suffira pas. Il va te falloir une dose entière pour la guérir complètement. On en a encore à la base. Détache-moi et je t'y amènerai. Allez! Quelle base? Je vais devoir faire sans lui. Oh putain! Ah ouais! Merde! Faut que je sorte Zoé d'ici. T'inquiète, Zoé. Je m'occupe de toi. Oh putain! Il est énorme! On peut pas rester là. Ouais, je suppose qu'il faut qu'on sorte de ce côté. Pas trop le choix. Est-ce que tu crains les flammes? Apparemment oui, vu qu'il peut pas y aller.
qu'on aille dans l'eau? On risque de se faire choper. Mon Dieu, j'ai l'impression d'être dans une saleté de film d'horreur. Je dirais même plus, hein. Tu es dans un jeu d'horreur. Allez. La petite barque. Ok. Tout va bien, Zoé. Oui, tout va bien. C'est la belle vie. On dirait le Némésis. Salut mon pote. On se reverra. Quelle journée de merde. Ça c'est sûr. J'ai connu mieux. Le soldat a dit que les Médocs étaient dans une sorte de base. Eh oui, il nous manque une partie. Et depuis quand est-ce qu'il y a un mur ici? Et alors attention, parce que les murs ont des oreilles. Ah, pour info, c'est pas moi qui fais avancer le bateau, hein, ça avance tout seul. On dirait que quelqu'un a laissé les lumières allumées. Allons voir ça. On va y aller tout de suite. Bon, où est-ce qu'on va la mettre, Zoé, par contre? On va peut-être pas la laisser dans le bateau, non? Je vais l'emmener, je pense. Parce qu'il peut y avoir des monstres dans l'eau. Allez, viens par là. Je t'emmène. T'en fais pas, Zoé. On y est presque. Bon, du coup, quand on la porte, à mon avis, on doit pas avoir d'objets à récupérer, hein. Ce sera un petit peu trop galère. Le jeu est beau, hein. Franchement, la gestion de la lumière, encore une fois, c'est un truc de psychopathe. Regardez-moi ça. Voilà la base. Oh merde. Allez, pas maintenant, l'alligator. C'est pas le moment. Il faut quand même avancer, quoi. Salut. Non. Dépêche-toi. Hein. Ok. Tu seras en sécurité ici. Attends-moi là. Je vais revenir avec quelque chose qui va te requinquer. En tout cas, je trouve ce DLC plutôt dépaysant. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Vraiment sympa, ça change tout le reste. Allez, on sauvegarde. On va même se faire un deuxième slot, non? Ouais, on sait jamais. On sait jamais. Donc là, on a une autre barque, ok. Ah, je pense que la suite, ce sera par là. On en ouvrira, puis on repartira vers une autre destination. Normalement, le DLC dure environ une heure. Hein. Une heure et demie, comme le précédent. Peut-être un petit peu plus court, on verra. Et donc là, on va devoir se farcir l'alligator, ou pas. On peut contourner. Allez, je peux y aller. Approche un ennemi par derrière pour le tuer par surprise. Mais non! Il y a de l'infiltration! Ah, ça m'étonne pas que ce DLC soit payant, hein. Oui. Ouah, c'est trop bien. Crève enflure. Et ouais, effectivement, Not a Hero, c'est un DLC gratuit avec Chris. Et celui-ci, il coûte 15 balles. Alors attention, je dis pas que c'est pas un peu excessif, hein, comme prix. Parce que c'est vrai que pour une heure de jeu, une heure et demie, c'est un peu trop. Mais franchement, si au moins il est de qualité, disons qu'on paye pas pour rien, quoi. Et j'adore le fait qu'ils aient rajouté un petit côté infiltration. C'est quand même super génial. Allez. Dodo, je te brise la nuque. Ah, je peux récupérer un verre. Attention, il me semble que j'entends un bruit à droite. Je vais y aller en douceur. Ce truc-là, tu penses qu'on peut le tuer J'espère. Oui. Génial. Ah, ça fait plaisir, hein. Parce que franchement, ces trucs-là, c'est les pires. Donc on reste accroupi. Je suis sûr que vous allez kiffer ça, les phases d'infiltration. Putain, il me regarde. Est-ce qu'il m'a vu, à ton avis? Comment tu voulais que je sache en même temps? Il m'a peut-être vu, hein. C'est possible. Dis-moi pas, je peux pas le tuer. Eh ben non, parce qu'il faut passer obligatoirement de l'autre côté. J'ai pas d'arme. Je peux pas lui tirer dessus à distance. Oh, c'est des nerfs.
Alors, on vérifie quand même si t'as pas loupé d'objet. Bon, on a tué quelques monstres. En toute discrétion, c'est déjà pas mal. On sera pas submergé, je pense. Et là, on est ok pour dire que j'ai tout pris. Ouais. J'ai toujours deux remèdes et deux petits soins. Une lance ? Ah ! Mais non. C'est incroyable. Mais non ! Mais c'est trop bien ! Waouh ! J'adore ce jeu. J'adore ce DLC, vraiment. Par contre, alors, on peut utiliser qu'une seule fois. D'accord. On a des armes de lancer. Trop trop chouette. Attends, juste un truc. Vers un d'autre ? Non. Que dalle. Super. On prend le temps, hein. On n'est pas pressé, comme d'hab. On découvre le DLC gentiment. Et franchement, c'est un vrai kiff. Il y a beaucoup de sauvegardes, je trouve. Une nouvelle poupée, donc ce qui augmente la force d'attaque de 1%. Par contre, de 1% en 1%, ça va pas aller vite. Hein. Allez, nouvelle save. Super. Ouais, parce que si on arrive pas bien à la jouer à infiltration, je pense que ce passage est peut-être chaud à main nue. Surtout avec les sortes de liqueurs, là. Fluide chimique. Les ordres suivants doivent être appliqués immédiatement. Le mutamycète s'est répandu dans le marais. Et il continuera à muter tant qu'il rencontrera de nouveaux organismes. Nous ne pouvons pas nous permettre d'exposer le stock de médicaments s'il venait à subir une mutation. Il deviendrait inutile. Transférez toute la station de synthèse des agents anti-infectieux vers le bateau à vapeur. Le bateau à vapeur ? Les gars, vous ne facilitez pas la tâche. Qu'est-ce que c'est ? Il n'y a rien d'autre. J'ai entendu un bruit derrière moi. Pourtant, j'ai tué tout le monde. Ah, là, par contre, il y a un gros bruit. Et j'ai pas de lance. Tu ferais mieux de rester où tu es. On est ok que j'ai rien, ouais. Bon, mon gros. Protection. Putain, d'accord. Eh, hey, toi. Ouais, on est obligé de se mettre en garde, hein, sinon on est mal. Oh, celui-là. Oh, le gros coup. Je pense qu'on peut le tuer maintenant. Je pense pas. Je vais fuir, parce qu'à mon avis, on peut pas le tuer. Faut le laisser frapper là-dedans, peut-être, non? Ah. Non, faut le tuer d'abord. T'es sérieux? Donc le soin sert à ça depuis le début. Allez, un petit peu. Protection, toujours. Waouh. Oh, mais c'est un catcheur, le gars. Attends, je m'en vais, je vais me soigner, vite fait. Un petit remède. Il est chaud, celui-là. La dernière fois que tu t'en prends à nous. Ah mais non, il est mort. Oh, je l'avais eu. Enfin bon, j'étais un petit peu en sang, quand même. Donc j'aurais dû le soigner quoi qu'il arrive. Non, je pensais en fait fallait l'amener ici, tu vois, et le laisser taper contre la porte pour qu'il la pète plus vite. Bah non. Oh, je pensais que c'était fini, tranquille, moi. Je me tire. Qu'est-ce que tu as pour moi ici? Une langouste, génial. Une safe room. Reste là-bas, mon petit. Et une nouvelle poupée boxeur. À mon avis, on va le raffronter à la fin, celui-là. Mais avec une plus grande puissance, quoi. Je pense. Mais il y a des safes partout. C'est ouf. Attends, on n'est pas revenu au début, d'ailleurs, là. Que je dise pas de bêtises. C'est verrouillé de l'autre côté. Hop, faire un remède supplémentaire. Vu que j'ai récupéré un truc chimique, là. Non. Je sais même pas où je suis, en fait. Attends. Peut-être pour ça que j'ai beaucoup de save. Eh ben non, en plus j'ai mis un nouvel objet, donc pas du tout. Un verre, très bien. Donc on continue de ce côté. Oh, des lances. Génial. J'en ai deux. C'est pour toi, mon coco. Ouvre ta grande gueule, là. Est-ce qu'il lui en faut deux? Non. Il est bien mort, on est ok. Je pense, hein. Est-ce qu'il lâche pas des objets? Non, pas l'impression.
Il y en a un autre à gauche là-bas. Aïe aïe aïe. Ouïe ouïe ouïe. J'étais pas prêt. J'étais pas prêt du tout. Aïe aïe aïe. Ah mais il me tue. Ah d'accord, ça one shot. Ok, en plus je m'étais soigné juste avant. Waouh, bah heureusement qu'il y a une save. Une save à côté, hein. Non. Je me suis fait piéger. Ok. Choqué. Bon. Mais du coup, il va nous en manquer une, hein. Vu qu'il y a un autre croco sur le côté. Allez. Headshot, cherche pas à comprendre. Vous savez ce que ça me rappelle? C'est un peu avec la lance, là. Ça me rappelle King Kong. Ah, il y a des lances à les récupérer là-haut. Mais l'autre, ouais, je sais pas comment on va le faire. Je t'ai vu. Peut-être en passant rapidement. Ah, il y a une autre lance derrière, regarde. Dépêche-toi. Yes. Bah, au pire, s'il vient pas me chercher, je l'attaque pas. Ah, lui par contre, pas de choix. Ça dégage. Je remonte par ici, je vais récupérer les autres lances. Si jamais il y a d'autres... des affreux. Venez par ici. Attention. Allez. Même pas peur. Petits avortons. Allez, on les écrase. Les deux en même temps. Est-ce que lui a son compte aussi? Ouais, j'ai l'impression. Eh, ça devient des petites merdes, hein, ces ennemis, hein, dans ce DLC. Franchement... Oh, il est énorme celui-là. C'est aussi gros que ça? Putain. Salut toi. Bon, je t'attaque pas, je te laisse en vie pour l'instant. T'as pas bougé. Il y a pas de raison de te tuer. Sauf si tu viens fricoter avec moi, bien sûr. Je continue de ce côté. Ta-dum, ta-dum, tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum. Il rôde juste devant. Yata! J'ai failli le louper, hein. Mais c'est bon. Oh, tu as de grandes dents. Attends, par contre. C'est sûr que tu vas m'embêter. Ah, tu vois que j'ai bien fait de pas tuer l'autre, hein. Parce qu'effectivement, il m'aurait manqué une lance. Ça aurait été totalement bête. Ah, une échelle. Alors, évidemment, on n'a pas la clé pour rentrer là-dedans. Ah, bah si, c'est déverrouillé. Fallait le déverrouiller de ce côté. Très bien. Je resseille de nouveau. Il y en a absolument de partout. J'ai rien à mettre de toute façon dans le coffre. Hein. Et on revient ici, ok, c'est ce que je pensais. Allez. C'est pour ça, c'est la même save qu'avant. On débloque les portes. Lorsqu'on l'ouvre de l'extérieur, de l'autre côté. Je pensais qu'il fallait une clé particulière, pas du tout. Oula. En tout cas, j'aime beaucoup le côté sauvage, tu vois, naturel de ce DLC. Le combat à main nue, c'est trop trop cool. Mais je reste étonné du fait qu'il n'y ait pas du tout d'armes. Vraiment, j'aime beaucoup, mais je suis étonné. Heureusement, il y a quand même des lances. Ça fait Far Cry Primal, quoi. Et encore une save. Incroyable. Un remède. J'en ai utilisé qu'un seul pour l'instant contre le gros. La petite sauvegarde. Faut pas faire tourner quelque chose, non? J'ai l'impression que c'est bien rouillé, hein. Ah, regardez. Là, on peut récupérer le petit boxeur. On en a 4, ce qui nous fait 4% de plus de puissance. Mais si on avance que d'un pour cent à chaque fois, c'est pas non plus incroyable. Ah, une branche d'arbre. Pareil, on peut s'en servir comme lance, non? Une branche épaisse et robuste, inutilisable telle qu'elle. Ah, non, c'est pour autre chose alors. Un tas de ferraille, inutilisable telle qu'elle. Ah, j'avais vu qu'on avait eu ça aussi. Ok. Ah, ça se combine! Attends. Et ça donne une lance. Ah ok, on peut crafter pour avoir des lances. C'est bon à savoir.
Pour l'instant, je reste sur mes points. Mais sait-on jamais. Oula ! Ah là, c'est un plus costaud. Attends, on dirait un Gremlins. Ah d'accord. Tu vas te calmer, oui. Il est tombé. C'est tout ? Alors, j'ai l'impression qu'il a peut-être moins de vie que les autres. Enfin, en tout cas pas plus. Mais que quand on l'attaque, ça n'interrompt pas. Et donc forcément, on se fait toucher, c'est un peu plus relou. Putain, j'aurais pu le louper, celui-là. Tiens, je vais en consommer un pour voir ce que ça fait. C'est dégueulasse. Mais voilà, je n'ai plus de sang sur mon écran. Ça fait plaisir. Allez, on s'entraîne. On le percute. Et à chaque fois, quand tu réussis à faire un combo avec la fin, un uppercut, tu enchaînes avec le jab. Approche un ennemi par derrière pour le tuer par surprise, donc ça veut dire qu'il y a un ennemi... Oh putain. Ouais, effectivement. Qu'il y a un ennemi à approcher discrètement. Oh là, il y a clairement un côté The Last of Us, hein. C'est génial. D'ailleurs, ça cause pas mal d'un éventuel... Allez, furtif. Un éventuel remake du premier The Last of Us. Voilà là. Beaucoup ont dit que c'était n'importe quoi, machin, que le premier était encore bon aujourd'hui. Et je suis... D'accord, tout va bien pour lui, génial. Protection. J'aurais mieux fait de garder ma lance, hein, finalement. Moi, je me suis dit, ça peut peut-être te one-shot un ennemi comme ça. Pense-tu. Et ouais, non, moi je suis chaud hein, pour un remake de The Last of Us, même si effectivement le premier on l'a fait il y a pas longtemps sur la chaîne. Et il est encore totalement jouable et vraiment génial sur PS4 ou PS5. Mais à voir ce qu'ils veulent faire, hein, Naughty Dog, parce que ça peut être plutôt intéressant. Ouais, lui, tu l'as vu là-bas. Attends, j'irai après. Quoique non, je vais maintenant. Je m'occupe d'abord des ennemis, ok ? Est-ce qu'on pourrait pas le contourner de l'autre côté? Parce qu'à mon avis... Ouais, je vois son ombre là. Il doit passer à droite à gauche hein, dans le couloir, donc... ça va pas être évident de l'avoir comme ça. Il arrive. J'espère qu'il n'a pas d'odorat, qu'il ne me renifle pas. C'est juste ça, quoi. Retourne-toi, petit. Il s'est retourné, je crois. Let's go. Je te mate le bouboule, là. Mais il a pas de boule en fait. Allez, joli. Surprise. Bon. Et une lance supplémentaire. Très bien. Pour casser les caisses, bon bah c'est au point hein. Ça c'est pratique. On a la ferraille donc logiquement je peux me faire une autre lance, ce qui m'en fait deux. Impeccable. Donc maintenant on a plusieurs endroits à fouiller hein. Est-ce qu'on peut rentrer dans cette pièce? Ah. En fait, c'est un peu plus bas. D'accord, donc ce sera de l'autre côté, à mon avis, qu'on y accédera. Là, j'ai déjà fouillé. Et donc, c'est par ici. Allez, on casse la porte. Peut-être un ennemi pas loin. Et j'ai fait du bruit, hein. Ça m'épate quand même qu'ils entendent pas, hein. Mais bon, tant mieux, hein, on va quand même pas se plaindre. Hein. Peut-être qu'ils sont sourds. Oula. Ouais, mais c'est sûr que je... Ah! Oh, punaise. Tu peux sauter? Yes. Allez, au moins un furtif. L'autre m'a pas vu, c'est incroyable. Ne te relève pas, mon petit. Yes! Ah, ça me facilite vraiment la vie, là. Et pour être franc, pour l'instant, j'ai une préférence quand même pour ce DLC. Par rapport à Not a Hero, qui était très bien, hein, mais... celui-ci, il est plus différent, je trouve. Il dénote vraiment du jeu de base. Quoi. Tout en gardant les ingrédients, attention. Alors, on peut descendre... J'ai bien envie d'aller fouiller quand même de ce côté avant. Oh, quoique.
Quoique. Peut-être que c'est juste un petit bonus qu'on peut trouver là-dedans, je sais pas. Ah mais, on peut pas y aller ? Si, attends, c'est obligé. Bah si. Yes ! Poupée champion. Ah, attends, c'est encore autre chose, ça. Une poupée sinistre utilisée pour la magie noire. Chaque poupée dans votre inventaire augmente votre force d'attaque de 5%. Ah, voilà, ça c'était du 1%, là c'est du 5. Donc ça nous met 4 plus 5, ça fait plus 9%. Ah ouais, ça commence à être pas mal. Plus 9% de puissance par rapport au début. Ça me donne envie vraiment de toutes les trouver. Eh merde. Protection. Quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Effectivement, je suis arrivé à destination. C'est bon, je l'ai envoyé chier, celui-là. Calme-toi, bijou ! Allez ! Bien joué. Je t'explose ! L'autre était mort, c'est bon. Faut toujours se retourner rapidement. Ok. Attends, je vais revenir en arrière par contre. Je vais manger un petit truc. Histoire de... un bon petit verre. Ça n'a pas retiré tout le sang, c'est pas grave. Ça ok, je peux pas combiner, j'ai pas encore eu un truc là. Donc je disais... On était là... Ouais, je t'ai descendu ici, donc en fait ouais... Ça m'a juste fait traverser de l'autre côté. D'accord. Ah zut. Ah il m'a entendu. C'est dommage. Par ici. Vise la tête. Ah oui mais c'est vrai que t'as visé la tête, j'ai oublié. Je suis trop con. J'ai oublié que dans le manuel il nous avait dit de vraiment viser la tête. D'ailleurs attends. Ah mais merde, je l'ai mis dans le coffre. Je voulais revoir juste les combos qu'on avait. Mais ça va, on s'en sort bien. J'ai vu qu'il fallait faire gauche-droite. Remettre premier soin. Gauche-droite et après on pouvait enchaîner avec du jab et un uppercut et tout. Ok, une lance supplémentaire. Ça rassure toujours. Par contre, Joe, c'est vrai qu'il est tellement puissant que... Pas trop de pression. Sauf contre le gros, je dirais. Parce qu'on sait qu'on a du mal à le coucher. Allez, mets en route. Synthétising. Synthesizing. Quoi ? Oh, c'est pas vrai. Oh merde, il y avait une sauvegarde, j'aurais peut-être dû sauvegarder avant. J'ai pas fait gaffe. Oh, il est vénère. Et voilà. Et du coup, ça a marché. Attends, avant de prendre l'infection, je save. Parce que parfois que ça déclenche un script, sait-on jamais. Or que j'ai bien fait. Oh, qu'il est moche. Attention. Et je m'envole. Et c'est maintenant qu'on va l'affronter, réellement. Jack, fais parler ta puissance. Okay. Tu me cherches ? Tu vas me trouver ! Attention ! Oh ! 4 coups de suite ? Incroyable. Prends ça ! Gauche ! Droite ! Uppercut ! Ouah ! Je pense que c'est mieux d'esquiver. Attention, le catcher ! Oh, bien joué. Tu te relèves. Montre-toi. Waouh ! Putain, il saute carrément, le con. Allez. Ah, il me contre, littéralement. Oh, ça fait mal. Ok, il m'a carrément sauté dessus, le gars. Reprendre la vie. Pas mal, mon gars. Pas mal, pas mal. J'ai pas peur. J'ai combattu plus gros que toi. Allez. Ah là, c'est vraiment le contenu qui met en avant le combat brutal du jeu. Prends ça. Moi aussi, j'ai perdu catch, mon pote. Qu'est-ce qui va pas ? Alors, ça va pas, hein ?
t'arrive ? Retourne-toi maintenant, regarde-moi dans les yeux. Punaise. Ah non, c'est vrai le saut. J'oublie à chaque fois d'esquiver. Allez. Protection. Vache. Attends, c'est moi qui m'a foutu un coup de pied. C'est incroyable. Oh non. Il s'est mis dans le coin du ring. C'est chaud. Wouah. Il est incroyable. Wouah. C'est moi où il a pris un objet. C'est moi. Allez. Enchaîne-le. C'est incroyable. Il est tellement chaud. Ah. Me fonce dessus. Wesh. Oh putain. Par contre, c'était son coup fatal, je pense. Bien. Fuyez. Ça fout les boules. Allez. Je t'aurai. Alors, je sais pas si on peut utiliser les lances contre lui. Bonne question. Il y a un soin qu'on peut récupérer. Ah. Qu'on peut récupérer éventuellement. Ah, puis il se casse à chaque fois, quoi, c'est chaud. Wouah. Relève-toi, petit. Eh bien. Il a de la ressource. On me cherche, on me trouve. Je vais te casser le dos. Je vais te briser. Alors, c'est qui le papa ? Oh, cette violence. Eh bien voilà. J'ai ce qu'il faut. Ce DLC n'est pas piqué des hannetons. Alors attends. Remettre nos premiers soins. Ouais, on en avait deux quand même, hein, dans la pièce. Pratique, ça m'en fait 4 en tout. Super. Bon, l'inventaire commence à se remplir, mais ça va. Un verre. Poupée boxeur. 1% de puissance en plus. J'aurais pu le récupérer en combat, mais bon, on n'avait pas besoin de plus de puissance, on a géré comme ça. Et puis je pense que j'ai tout récupéré. Vous remarquerez qu'il n'y a pas de pièces, hein, dans ce DLC. Tant mieux. Par contre, bon, les poupées, ça remplace un peu les pièces, quand même. C'est un peu différent, mais disons que c'est constant, quoi. Et toujours pas d'armes à feu. Mais il n'y en aura pas, je pense, hein. Ouais, je pense pas, hein. Ça m'étonnerait. Là, je peux me faire 2 lances, normalement. Ah, j'ai 5 lances. Très cool. Attends, replace l'inventaire comme il faut, s'il te plaît. On fait comme ça. Allez. Très bien. Bon, je me soigne pas, hein, c'est pas la peine. On est très bien. Oui. Ah, par ici. Maintenant, on débrouille cette porte. Ah, attends, Zoé. Je save encore. M'en veux pas. Allez. Zoé, j'ai ton remède. Tu vas t'en sortir. Encore toi. Non, Zoé. Non, Zoé. C'est exactement ce que j'ai dit. Et donc maintenant, comme par magie, la porte est ouverte. On peut y aller. En avant toutes, Joe. Zoé, où es-tu, ma puce? Où sont-ils passés? Ici. Hé hey! Laisse ma famille tranquille, du con! Crois pas que tu vas t'en tirer. Le rythme de ce DLC est juste incroyable. C'est parfaitement rythmé, je trouve. Avec des moments un peu plus calmes et... vraiment des moments... Bon sang. Sacrément vénère. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Waouh. Oh, ça bouge. On ne doit pas être bien loin.
J'espère. Il a osé enlever ma Zoé. Ça va chier. Putain, mais je pensais qu'on l'avait battu du coup. Mais non. Ça revit tout le temps cet enfer là. Allez. N'oublions pas qu'on est bien équipé, on a 5 lances si besoin. Je les garde de côté, hein, pour des ennemis un peu plus puissants. Un verre. Ah oui, c'est vrai qu'il faut... Ça m'a fait peur. C'est vrai qu'il faut faire attention parce qu'on peut récupérer aussi des objets derrière l'écorce et tout. Des arbres. Ouh. Je prends la lance parce que ça sent le croco. Enfin, l'alligator. Attention, faisons la différence. On dirait des vieux toilettes. Ça me gâche un peu la vue par contre. Fumer tue, attention. Le mec relou de ça. Je save. Rien à récupérer dans cette bicoque. Non. On a dû avoir un truc secret par là-dessous. Non, parce qu'en fait c'est là où il faut aller. Donc c'est pas secret. Des langoustes. Venez par ici, ma petite chérie. Est-ce que je peux faire quelque chose de vous? Pas pour l'instant. 5, 6, 7. Eh, mais je suis blindé de soins. Après, bon, il suffit d'un seul ennemi bien costaud pour tout bouffer. Hein. Ouh la merde. Oh, j'y crois pas, c'est un jouet. Ah, ils sont malins. Ah, ça, c'est pas un jouet. Coucou. Allez. Va rejoindre tes petits copains. Une branche d'arbre. Ouh, ça non plus c'est pas un jouet. Bon, je vais pas prendre le risque de tirer d'aussi loin. Sait-on jamais. Je peux monter ici? Oui. Je sais pas s'il y a un truc à récupérer, on va voir. Eh bien si, une lance. Si jamais vous faites partie de ces joueurs qui dépensent tout, alors qu'il n'y a pas besoin. C'est vrai que j'en ai gardé pas mal. Forcément, j'avais pas forcément besoin de celle-ci. Attention, il est pas si loin que ça. Hein. Coucou. Oh, ça me rappelle tellement King Kong. Pour ceux qui ont suivi le let's play que j'avais pu faire en 2016, il me semble. Hein. Je l'avais fait sur Xbox 360. D'ailleurs, ça me taraude parce que je sais que la version PC est tellement mieux. Tellement plus jolie, tellement plus fine. J'y ai rejoué il y a quelques semaines et sincèrement, je regrette d'avoir fait le let's play sur 360, quoi. Ça aurait été tellement mieux sur PC. Alors attention, je suis un consoleux de base, hein. C'est pour ça que je suis vraiment joueur manette, je suis pas joueur clavier-souris, je déteste jouer clavier-souris. Mais sur PC, c'est vrai que la majorité des jeux sont quand même bien plus jolis en général. Même si, attention, c'est vrai que la Series X et la PS5, ils ont réduit l'écart par rapport au gros PC gamer, je trouve. Salut. Ouais, il bouge un petit peu trop, je veux pas me louper. Rien à récupérer par là. On tente. Oui. Ouais, il vaut mieux lui faire sa fête avant de s'engager, hein. Ça vaut mieux. Ok, surtout qu'il y en a d'autres. Il bouge. Ouh, attention à lui. Sacré morceau. Ah, il bouge un peu trop. Attends, je vais monter ici. Je me le fais après. Vaut mieux lui tirer dessus quand il est en hauteur. C'est plus simple. Bon, reste 3, hein. Allez. C'est bon. On évite les erreurs, hein, parce que... Les lances, c'est quand même assez rare. Comme matos. Ah yes, on va pouvoir s'en faire une autre de lance, logiquement. Je devais avoir déjà des branches. Ferraille. Effectivement. Une lance de plus. Le prochain est ici. Alors, je dois aller là-bas. Oh, il y a peut-être un objet dans le coin, là-bas, tu vois. Est-ce que je dois vraiment m'occuper de lui ou pas? Est-ce que c'est obligatoire? Je suis pas sûr. Attends, je vais aller voir là-bas parce que peut-être qu'il y a quelque chose que je loupe. Non, c'est juste de la roche. Oh putain. Ah, regarde. Je le sentais. Je fais bien. Voilà, ça me fait un remède supplémentaire. Nous disions... Oh, ils sont deux. Zut alors.
Allez, il m'en restera qu'une seule, hein, par contre. C'est terrible. J'ai tout dépensé. Une branche d'arbre. Yes, je peux en faire une de plus. Ah mais du coup là, je suis sur le... Ok, je suis sur le rivage. Alors on pourra aller voir là-haut, mais avant toute chose, allons voir de l'autre côté. Donc toujours beaucoup d'exploration. Ah, il me semblait qu'on avait un autre là. Mais je pense qu'il n'y a rien à récupérer dans ce coin. Ouais, donc je suis pas obligé de le tuer celui-là. Non. Peut-être qu'il y a un succès, remarque, si on tue tous les alligators, mais dans le doute, bon, je vais quand même pas dépenser une lance, hein, c'est si précieux. Une petite langouste, hein. Merci bien. Alors c'est sûr qu'au niveau soins, ils sont toujours aussi généreux. Hein. J'ai entendu un truc, ça m'a fait peur. Une bombe artisanale. Oh! Bon, c'est toujours pas une arme à feu comme je l'entends. Hein. Par contre, je vois pas à quoi sert le coffre. Tu vois? Parce qu'on a largement assez de slots. Ouais, il est là juste pour faire beau. Hein. Allez, sauvegarde. D'ailleurs, tant que tu y es, double sauvegarde. Sait-on jamais. Et n'oublions pas maintenant qu'on a une bombe. Hein. On peut la placer au sol. Très bien. Ça, ce sera surtout quand il y aura de gros ennemis. Ou quand il y en aura plusieurs. Alors, on peut aller dans l'eau. Mais là, vu tous les alligators, on va éviter. Oh, je la sens pas, cette scène. Je la sens pas du tout. Il va y avoir un affreux qui va débarquer. Oh, bon, ça va, c'est un petit. Ça devrait aller. Ça aurait été bien qu'on puisse se donner à manger aux alligators. Il est pas mort? Sorry! C'est presque sûr. C'est bon pour toi? Je pense. Oula, bon, direct, on attaque. Perdons pas de temps. Oh non! Salaud! Derrière moi, je crois. Effectivement. Là, on pourrait tenter, mais non, non, non. On va rester comme ça. Je garde ma bombe. Wouah, finalement, changement d'avis. On la place. Par ici, petit. J'aimerais bien les trois. C'est bon, ça a marché. Ah. Mais quoi? Ça a merdé. Oh putain. Je suis mal. On se soigne, on se tient. Ah, j'ai complètement merdé là. Très mal joué. En plus, j'ai bousillé ma bombe. C'est bon? Non! T'es tombé, mais quel... Trou du cul. C'est bon. Je gère. Je suis tombé comme une merde. Vite, remonte. Oh là là. Ça se trouve, il y a des trucs à récupérer, remarque en bas. Ah ouais, je m'attendais pas à avoir autant d'ennemis. C'est vrai que c'est chaud. Et j'arrive plus à faire mon combo. Attends. Tac. Oh, ça marche plus. Bizarre. Une arme de retour, non? Ah d'accord. Élimination furtive. Mais trop bien. Je pensais pas. Génial. Ouais, c'est bon. Je t'ai écrabouillé. C'est confirmé. Mort confirmée. Super. De la ferraille, une lance. J'ai un peu merdé la séquence, j'avoue. C'est quoi ces trucs? Faut les péter? Je pense pas. Ça pareil, ça se démolit. Oh, il y a trois lances en face là-bas. Énorme. Ouais, pour l'instant, on reste en hauteur si possible. Cul-de-sac. Si je veux aller en face, tu penses que je peux monter? Ah oui, il y a une échelle par derrière là-bas. Par contre, il faudra faire attention aux alligators, justement. Gars! Oh! Salut, toi! Génial. Je l'ai planté. Bon, super. Super. Je vais reprendre une lance parce que là, il y en a 3 quand même de l'autre côté. Et 2 caisses, ça vaut le coup d'y aller. Hein.
Derrière moi. Même pas je l'ai vu. Ah putain, lui je l'ai vu par contre. Putain, juste devant moi. Il y en a un juste derrière aussi, bouge. Chou. T'es où? Il me semble que j'en avais un qui me poursuivait. Ou alors j'ai rêvé. Ah yes. Donc ça augmente de 5% la puissance, poupée champion. Allez, ça me fait 4 lances. Très très bien. Attention. Il m'a surpris l'outil. Il est apparu juste devant moi. Je n'avais pas un derrière. Ah. Ok. Tiens. Je pense qu'il faut quand même éviter de rester dans l'eau parce qu'à mon avis, il doit y avoir des alligators qui pop. Je sais pas si c'est... Attends, j'ai bien pris la caisse là. Ouais, c'est bon. C'est juste le restant de la boîte, si je puis dire. Les bruits viennent de la baraque là. Ah oui. Allez, casse la porte mon petit. Vas-y. Non. Bon, si t'es seul encore, moi je veux bien. Ah mais au fait, c'est vrai qu'on peut le faire furtif. J'avais oublié. J'avais oublié ce détail. Oh ah ouais, lui furtif aussi. Hein. Le relou là. Une caisse. Ah, ça aide quand même. Par contre, il n'y en a pas un derrière moi aussi. Non, c'est bon. Oh putain, si, il y en avait un. Quel dommage. Le jab, ah c'est bon, j'ai retrouvé mon jab. Génial. Le coup de grâce. J'adore. Pas de tiroir à fouiller. Les boîtes non plus. Donc en fait les deux DLC sont assez beaux hein, finalement. Mais avec l'infiltration ça compense un petit peu. C'est bien pensé. Allez. C'est bien mon Joe. Deux lances en plus. Là-bas on aura une caisse à récupérer. Attends, je m'équipe hein, si jamais. Il y avait effectivement un alligator. Une petite langouste. Ah, je peux récupérer de branches. Dommage. Salut vous deux. T'as pas une bombe? Ah, pas de bombe. Ah putain, il va me faire tomber ce con. Attends, on va passer comme ça. Allez, que ça saute. Au moins, ça te libère la place pour l'autre. Nickel. On l'écrase. Allez, t'as pas fini, oui. Je me suis encore fait un petit peu toucher. Oh putain! Quel dommage! Après, je pouvais pas l'avoir en toute discrétion parce qu'il était devant moi, quoi. Il était pas retourné. Ça aurait été compliqué. Nouvelle poupée de boxeur, ok. Il a son compte. Alors, attends, il me semblait que j'avais vu un truc. Y'a pas quelque chose là-bas dans le coin? Si, c'est une poupée! Ah, faut que j'y aille! Faut que j'y aille absolument! Attends, je vais pas continuer. Je vais m'équiper, je vais juste prendre les deux lances. Oh non, merde. Putain, j'ai activé le script. Fais chier. Oh! Oula! Waouh! Ah, il sautait juste en plus! Énorme! Toujours la musique, c'est quoi ce délire? Où êtes-vous? Pitoyable monstre. Bon, je vais là-bas. Par contre, je vois qu'il y a quelques ondulations à mon avis. Yes! Allez, tac! De l'autre côté, peut-être, non? Ouais, oh putain! Incroyable! Je suis trop fort. C'est clean? C'est clean. C'est marrant, ça m'a pas du tout étonné qu'il y en ait un autre qui arrive de l'autre côté. Et une poupée champion, ça nous en fait combien? 2, 3? 3. Et donc ça fait 15. 6, donc ça fait 6 et 15.
Ça fait 21. 21% de plus de puissance. C'est pas mal. Là, il y a autre chose, regarde ici. Ou alors, c'est juste une lampe. Ah non, c'est juste la lampe. Bon, on va vite remonter par là. Hein. Si possible. Oh merde. Remonte, tu l'as pas vu. Oh putain. Bon, il y a peut-être d'autres objets que je vais louper, hein. Oh non. Un gros costaud là qui réapparaît. Relou. Bon, allez, j'utilise même pas mes lances, ça sert à rien. Allez. T'es enchaîné, mec. Même pas touché. J'arrive pas à comprendre. Le jab. Ton jab. C'est bien. On lui écrase des couilles derrière. Ah. Bon, c'est bon là. Il a plus de tête, je pense qu'il a son compte. Une nouvelle poupée boxeur. Ouais, bon, je pense qu'on aura récupéré quand même la majorité des objets. Attends, on doit avoir les stats, non d'ailleurs. Sauvegarde, coup de poing. 455 déjà. Exécution furtive 10. Ah non, ils mettent pas le nombre qu'il y en a en tout. Ah, c'est con. Ça aurait été plus simple pour savoir si j'en ai loupé ou pas. Ah, il y a peut-être un truc en bas là, non? Bon, c'est pas grave. De toute façon, c'est obligé que j'ai loupé un ou deux trucs, hein. Voire plus. C'est marrant, ils font un petit bloc, là, il y a rien du tout. Ça me frustre dans les jeux, tu vois, quand il y a des pièces vides ou des tiroirs vides. Horrible. Ah. Nouvelle poupée boxeur. Ce qui augmente de 1%. Yes. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Encore un insecte. Là, je me fais une lance supplémentaire. Tu sais quoi? Ouais, en plus, je peux m'en faire un autre de remède. Super. Et bah, je vais consommer. Miam miam. C'est bon ça. Je suis guéri. Et il va me rester encore quasiment tous mes remèdes à la fin du DLC. C'est abusé. Bah, pourvu que le boss final soit costaud, quoi. Il y en a vraiment deux trop du soin. Hein. Je le disais déjà pour le jeu de base. Alors après, on va me dire, oui, mais Galax, après tu vas débloquer le mode difficulté cauchemar et tout. Là, tu vas voir, c'est un autre jeu, c'est un autre défi. Et je suis d'accord avec vous. Mais avant, souvenez-vous, les jeux, en mode normal, déjà... Attends, c'est un cimetière. Oh, mon dieu. En mode normal, déjà, les jeux étaient chauds. Oh, encore. Oh, il m'a tué. Oh, le salaud, mais j'y crois pas. Il est trop chaud. Oh, mais non. Mycomorph Colosse. Crache des flots d'acide corrosif. Il vaut mieux ne pas l'affronter de face. Alors essayez d'esquiver ces jets d'acide avant. Ouais, d'accord, j'ai compris ça. Chaud. Bon, je vous aurais écouté la séquence. Je vous aurais juste montré la mort. Comme d'habitude, hein. Histoire de revoir ensuite les séquences complètes. Je trouve que c'est mieux comme ça, niveau montage. Ok, remède. Et donc là, attention, dès qu'on arrive ici. C'est la fête du slip en général. Attends, je vais récupérer les objets. Attends, je l'avais tué? Ce qui n'apparaît plus? Comment ça se passe? Parce que là, là-bas, j'avais pas récupéré les objets. Ah, ça y est. Oh putain. Pas de face, on a dit. Hein. On a dit pas de face, alors attends. Le jab. Par contre, esquive. Tout ce qui peut te gerber à la tronche. Comment je l'ai esquivé, c'était beau. Par ici, mon petit. Oh la vache. Ça, si tu l'esquives pas, ça fait très mal. Faut utiliser les lances, hein, contre lui, je pense. Contre les autres, on les fight normal. Genre Mike Tyson. Non. Aïe, ça fait mal. J'ai merdé. Attends, faut que je me tire. J'ai grave merdé. Pour l'instant, on se soigne pas, pas besoin. Il est tellement fort. Ah, mais ça continue d'arriver derrière. Bon, alors peut-être qu'il leur manquait juste un simple coup à eux. Ok, lance. Attention. Allez. Tiens. Fait mal, hein. Allez, encore une. Et encore une autre. C'est pas fini. J'en ai plus, hein.
J'en ai plus du tout, on va devoir le finir au point. Par contre, faut pas le viser à la tête, lui, il est... Oh. Il est trop fort. Allez, crache-moi dessus, bonhomme. Wow. Vraiment avoir un bon temps de réaction. Allez, il est par terre. Je me tire. Ouf. Oula, il envoie la sauce. Il est incroyable. Allez, dans le cucu. Ah mais non, j'avais pas vu. Non. Soigne-toi. Je pensais pas qu'il crachait encore. Eh, vomito. Vomito, je t'ai rien fait. J'étais juste de passage dans le cimetière. Attention. Oh. T'as pas fini, non? Je sais pas ce que t'as mangé, mais putain. Ça s'arrête jamais. Alors pour le coup, j'aurais bien aimé garder ma bombe, finalement. Bon, j'ai compris qu'il fallait le prendre par derrière. Hein. Mais, en fait... Je le prends par derrière, mais comment? Parce qu'il s'est totalement tué à chaque fois. C'est hyper énervant. Mais quoi? C'est pas vrai. Soigne-toi vite. C'est incroyable. Mais c'est ouf, regardez, peu importe où je vais. Mec. En fait, fallait garder la bombe pour lui. Moi, je pense que c'est ça. Hein. Ah, faut passer derrière. Fallait peut-être tout le temps passer derrière. C'est bon, t'as ton... Oh putain. Ouais, je pense qu'il est bon. Eh bien, putain, j'ai plus de lance. J'ai plus rien. Je me sens, ça y est, totalement démuni. Et le pire, c'est que il me semble que c'est pas le boss. Hein. Ça m'étonnerait, hein, c'est juste un colosse. Enfin, juste. Façon de parler, quoi, tu vois. Waouh. Ah, le boss, ce sera l'autre gros, là, qu'on avait. Qui a enlevé Zoé, c'est sûr. Bah alors lui déjà, putain costaud hein. Oh le mec. Zoé. Eh ben. Pour moi c'était une... Un bel entraînement pour le boss. Ça dépasse le sacrilège. C'est pas vrai! Putain de merde, Jack! Tu reconnais même pas ton propre frère! Je t'interdis de la toucher! Jack! Laisse-moi sortir, putain! J'ai ton frère! Comment est-ce que tu peux me faire ça? Fais-moi sortir d'ici, t'attends! Ah bah déjà quand on avait... Ah ouais d'accord, des cercueils partout. Génial. Déjà qu'on l'avait combattu dans le jeu de base, il avait une forme assez flippante. Ah, j'entends quelque chose par là. Une arme biologique inconnue nous a pris pour cible. Le camp de la résistance Richter est attaqué. Ça doit être la créature qui a attaqué la base. Je te tiens, espèce d'enfoiré. À nous deux. Ok, alors attention là.
on sait que c'est le final. Double sauvegarde. On n'est jamais trop peu là. Allons-y. Ah, par contre, j'ai zéro lance, hein. Ah, mais d'accord, j'ai presque plus rien. Ah ouais, donc de toute façon, tous les remèdes, maintenant, on s'en fout. J'en ai quasiment utilisé aucun. Bon, à part sur le combat d'avant, remarque, tu me diras. Oh putain! Vous êtes fous! Je vais espérer, par contre, que j'ai gardé ma puissance. Oh là! Les gars! Les gars! Mais, attends, je vais mourir? Fallait les éviter à tous les coups! Ah, c'est sûr! Ah ouais, c'est ça! Ok. À tous les coups, fallait les esquiver. Tandis que maintenant, je suis dans la merde jusqu'au bout. Génial. Putain, c'est pas cool, ça. Pas cool du tout. Ah, yes. Un petit remède. Ah putain, si je veux revenir là-bas, par contre, je suis mal. Hein. J'arrive où, là? Oh! Qu'est-ce que c'est que ce machin? Un de leurs nouveaux jouets? Par contre, dépêche-toi. Ça va faire mal. Prêt pour utilisation. Oh là là! Ah, donc là, du coup, mon gauche est meilleur que mon droit. Charge en cours. Ok, on peut le charger, regardez. Charge complète. Oh, il y a plusieurs niveaux! Excellent! Charge à fond. Charge complète. Bam! Oh, j'ai défoncé! Oh, là-bas. C'est trop cool! Allez. Charge en cours. À contre les costauds, ça va être cool. Charge complète. Voilà. Je les broie! Génial! Attention! Amenez-vous les loulous! Charge! Oh oh, les deux! Ah, c'est un kiff! Qu'est-ce que j'aime ce contenu! Ah, pareil pour les portes, hein, je pense. Ah, ouais, on va essayer de charger à fond alors. Ah, oui, parce que les portes sont plus costaudes. Donc, faut l'attaque la plus puissante. Qu'est-ce qu'il faut pour me débarrasser de Jack une bonne fois? Ah, par contre, si tu peux récupérer peut-être éventuellement du soin, ce serait pas mal parce que je n'ai plus rien. Remède contre l'affection, ouais, du coup. Mais pour moi, pour me guérir, que chi. Hein? Attendez, ça m'appelle quelque chose, ça, non? C'est la maison? Mais oui, c'est la maison. Avec là-bas la safe room. Excellent. Ah, c'est tellement bien. La famille. Zoé Baker s'aime, hein. Joli. Allez, je sauvegarde encore. Ah, finalement, le DLC est aussi long que celui d'hier. Je pensais pas. Ça fera bien une heure et quart, une heure et demie. Et franchement, je le préfère, hein, pour être franc avec vous. Je trouve plus original. Après, chacun son avis, bien sûr. Les deux sont bons, mais celui-ci encore au-dessus. En même temps, il est payant, donc finalement, ça paraît assez logique. Regardez la maison. Oh ! Ok ! Salut ! On n'est pas obligé, hein, de tout le temps charger, mais bon. Charge en cours. Si je fais niveau 2... Ouais, niveau 2, ça suffit. Charge en cours. La musique épique, genre Joe le héros, quoi. C'est trop ça. Ah, ça fait plaisir de revenir, n'empêche ici, quoi. Hors de ma vue. Ok. Bam. Oh. Une triple. Excellent. Charge en cours. Je croyais qu'il y en avait un, mais pas du tout. À mon avis, ouais, on aura zéro soin jusqu'à la fin. Quoi ? Charge complète. Tiens ! Charge en cours. Encore. Charge complète. Ah ! Oh, le gros ventre qu'il a, lui. D'accord. Un coup de poing suffit. Énorme.
Ah ouais, souvenez-vous de cette baraque là. Tiens, une poupée champion, on aurait pu la louper en plus, hein, facilement. Donc 5% encore de plus, hein. Déjà qu'on était bien costaud. Par contre, je les ai plus sur moi, les autres poupées. Je suppose que les effets comptent encore. On va plus être bien loin. Poupée boxeur. Attends, vérifie bien qu'il n'y en ait pas d'autres. Je pense pas. Ah, les fameux petits bébés, là. Oh, quelle vidéo parfaite pour conclure cette aventure. Je suis très content. Quel DLC, quoi. Là-bas, il n'y a rien. On peut pas y aller. Donc, c'est ici. Oh. Ah, ils ont installé le camp. Attends un peu, Jack. Zoé rentrera avec moi. Ah d'accord, on va rentrer dans le truc. Alors avant d'aller plus loin, parce qu'à mon avis là, ça va être vraiment le final, je vais d'abord aller voir là-dedans. Mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé ici? Oh la vache, les objets perdus ont été déplacés vers le coffre. D'accord. Langouste, fluide chimique, le remède. Produit MG78, développé pour faciliter le transport d'équipements lourds. Ouais, c'est pratique, hein. Une fois équipé, les impulsions nerveuses sont détectées et synchronisées avec un actionneur qui offre une puissance dépassant les 50 chevaux. Des absorbeurs à la pointe de la technologie permettant d'annuler le recul perçu par l'utilisateur. Spécification technique, puissance maximale, ok, on a des infos, 5,5 kg, c'est du lourd. Là, on a la save. Un doc ici. Nous avons fini d'analyser les échantillons de tissus supposés appartenant à Jack Baker. Les cellules montrent une extraordinaire résistance aux dégâts physiques et chimiques. Le mutase 6-7 de la série E secrète une enzyme semblable à la télomérase à travers les parois de la cellule, causant l'activation anormale de la voie ERK, qui provoque une division forcée des cellules, régénérant rapidement les tissus endommagés. Cependant, la division cellulaire répétée mène rapidement à une rupture de la structure intercellulaire. À l'origine de l'apparence boueuse caractéristique des échantillons de tissus prélevés, ceci nous amène à penser que les cellules atteignent leur limite de Hayflick. Il est à noter que les échantillons provenant des autres membres de la famille, la femme Marguerite, le fils Lucas et la fille Zoé, ne présentent pas des capacités de régénération aussi étendues. Il semble que les symptômes puissent varier d'un sujet à l'autre. Une étude plus approfondie s'impose. Eh bien, ça promet. Super, est-ce que j'ai quelque chose à faire avec le coffre ? Alors déjà, ce qu'on va faire... Ah oui, mais on peut récupérer les trucs, d'ailleurs. Ça me fait deux remèdes. Je vais récupérer les poupées, parce que je suppose que ça va augmenter ma puissance. On récupère tout, hein, en vrai. Hein. Ouais, je récupère absolument tout. De toute façon, il est pas full, mon inventaire. Il me faudrait des branches, éventuellement, pour avoir des lances. Là, j'en ai pas du tout. D'accord, d'accord. Alors, le remède, je vais le mettre... en dessous, plutôt. Ouais, en dessous... Celui-là, on va le laisser là pour l'instant. C'est bien comme ça, hein. Allez. Nickel. Bah, je resave du coup. Je resave. Bam. Et là, on va s'attaquer au frérot. À Jack. Le terrible. Qui a été effectivement contaminé jusqu'à la moelle. C'est assez triste pour lui tout de même. Parce que c'est une famille qui avait rien demandé, quoi. Allons-y. De retour dans ce manoir. Zoé. Ah ouais. Ça a changé. Zoé. Zoé, réveille-toi, réveille-toi. Jaco et la fripouille. Un ou deux. T'es plus qu'un chien enragé maintenant. Le moment est venu de t'appliquer. Oh. Amène-toi. Il est trop chaud. Mais non! Oh la vache, je sens que je vais crever. Charge en cours. Ah mais non, elle s'en va à chaque fois! Ah, j'ai pu le contrer! D'accord, j'ai pu le contrer. Protection. Charge en cours. Ouais, bon, ça bouge pas trop. Charge. Bam! Oh là là. Il est énervé. Il est énervé. Hey, tu as quand même pas triché. Vite, je bouffe. Ah, je suis mal. Il m'a tué. Mais non. Oh là, il est tellement tendu. Alors apparemment, par contre, il y avait des objets à récupérer dans la pièce. J'ai pas fait gaffe.
Il est méga trop chaud. Allez, on retente. T'es plus qu'un chien enragé maintenant. Ouais. Il est venu te piquer. Amène-toi. Oh la vache. Ce qu'il nous met quand même. Charge en cours. Allez. Charge complète. Mais quoi? Comment il se retourne? Oh, c'est de la charge en cours. Ah là là, il fait tellement mal. Charge en cours. Charge. Bim. Bien joué. C'est bon, je passe à côté. Une double, c'est déjà bien, hein. On se soigne. Wow. Quoi? Comment ça, il m'a touché? Tu as quand même pas triché, si? T'as vu? Il se déplace vite par rapport à nous. Charge en cours. Ah, je l'ai contré. Charge en ok, encore une esquive. Charge en ah quoi, il se retourne aussi, il faut un coup. Mais protège-toi, putain. Charge en oh la vache. Charge en oui, vas-y, il fait des grands pas de ouf. Charge en cours. Touché. Charge en cours. Soigne-toi. C'est incroyable comme les remèdes ils passent vite. Hein. Charge en cours. Charge complète. Touché. Charge en cours. Allez, première fois où il est au charge sol. Complète. Allez. Souviens-moi, frangin. Tu te souviens quand on était gamin et que je t'ai cassé le nez? Tu te souviens de la corde à linge qui t'a envoyé dans le marais? Charge complète. Charge en cours. Charge en cours. Charge en cours. Charge en cours. Là je l'ai eu, bien contré. Charge complète. Obligé de se protéger quand il envoie son truc. Charge en cours. Ah il m'a eu quand même. Putain, j'ai essayé d'esquiver quand même de me barrer. Bah par contre, peut-être la stratégie d'utiliser que ce bras, c'était une connerie, non? Tout à l'heure, j'utilise que ça, mais ça se trouve, faut quand même l'enchaîner. Je suis en train d'y penser là, attends. Ah ouais, mais je pense que c'est ça peut-être. Peut-être pas utiliser que le que ce que j'ai reçu là. On va savoir. On va essayer de faire ça. Il y a un objet à récupérer. Là. Ah, mais c'est ça, faut l'enchaîner en fait. Charge en cours. Et là le gros coup, mais quand il est par terre, ok. Je suis trop con, mais ouais, en fait, fallait faire comme d'habitude. T'as pu me battre. T'as beau être un monstre maintenant, ça m'empêchera pas de te voter dessus. Allez. J'ai compris en fait. Je pensais qu'il fallait juste jouer avec ce point, mais non. Il faut continuer à faire des combos face à lui. Ok. Voilà. Ça s'arrête jamais, j'ai l'impression. Ouh! Soigne-toi. C'est bon. Oh merde, il m'a chopé! Ça fait quoi au juste? Il m'a encore jamais chopé, ok, il me soulève. C'est tout? Ça va. Cool. Le jab, le jab. Ah, je l'adore tellement. Allez. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, maintenant le gros coup. C'est des adieux à la famille, frangin. Waouh. Qu'est-ce qu'il s'est pris? Ah ouais, donc en fait, fallait faire des combos, effectivement, fallait pas juste utiliser le point. Charge. Moi, je sais pas pourquoi, je pensais qu'il fallait utiliser que le point gauche maintenant, vu qu'on avait cet appareil. Mais non, fallait juste faire des combos et c'était super easy. D'accord. Enfin, j'ai quand même dû utiliser pas mal de soins, hein. Il m'en reste encore 3. Et pas mal de petites bébêtes. Ah, il y en avait en plus. Il y avait des remèdes. Donc ouais, c'était simple, ça va. Pas de problème. Bon. Zoé, du coup.
Faut que je ressorte? Je pense. Ah, souvenez-vous, les trois têtes de chien. Mais non. Allez, où Zoé alors? Oui. Alors, je suis peut-être bête, mais je peux pas aller plus loin à cause de la chaîne. Elle est là, Zoé. Putain, j'ai pas vu. Zoé, tiens bon. Ça va aller maintenant. Zoé! Zoé! Réveille-toi, Zoé! Bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça va? Je vais bien. T'en fais pas pour moi. C'est fini maintenant. Go, 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 go! On bouge plus! Les mains en l'air! À genoux! Oh non! Ça suffit! Baisse ton arme. Ça va aller. Zoé Baker, c'est ça? À qui a-t-on l'honneur? Chris Redfield. On vous a cherché partout. On vient vous aider. Tu vas t'en sortir. J'ai passé 3 années enfermée avec ces monstres. Ils ont tous essayé de me tuer. J'arrive pas à croire que ce soit fini. Tu sais, quelque part au fond d'eux, il restait ta famille. Et ils t'aimaient. Surtout ton père. Même dans ses derniers instants. On l'a trouvée. Elle encaisse bien. Ouais, bien sûr. Attends. Quelqu'un veut te parler. Zoé. Zoé, tu es là? C'est toi? J'y crois pas. Tu t'en es sorti. Ouais, on a réussi. Tu m'as pas oublié. Je t'avais dit que je t'enverrais de l'aide. Et je tiens toujours mes promesses. Merci, Ethan. Hé hé! Et voilà les amis, c'est terminé pour ce DLC génial. Vraiment, rien à dire. C'était topissime de chez topissime. Alors j'ai beaucoup aimé les deux DLC, mais celui-ci... Ah, je trouve qu'il a un truc en plus. Bah, le truc en plus, c'est déjà qu'il n'y a pas d'arme à feu. Finalement, au début, je voyais ça comme un défaut, mais il s'avère que c'est justement la particularité de ce contenu. Et non, franchement, c'était dépaysant, je sais pas. J'ai trouvé ça très très cool. Et puis de retrouver en même temps le manoir à la fin, la maison, c'était vraiment cool. Et la vieille baraque aussi. Et donc voilà, partie recommencée 3 fois, et je suis mort 3 fois quand même. Coup de poing, 633. 20 sauvegardes, parce que je me suis fait plaisir. 10 exécutions furtives, objets de soins utilisés 14 tout de même. Poupée boxeur 10, et poupée champion 4. Je sais pas combien il y en a en tout, mais je pense qu'on a récupéré pas mal. Contenu débloqué, défi extrême, complétez tous les défis, obtenez machette maudite. Défi s'active automatiquement lorsque vous passez certains checkpoints. Dans le mode difficulté avec lequel vous avez complété la fin de Zoé. Vous pouvez consulter les détails de défis via les stats de menu pause, d'accord. Joe doit mourir, mode de difficulté ajouté à la sélection du niveau de difficulté pour la fin de Zoé. Et l'AMG 78A qu'on peut avoir dès le début, je pense. Fusil M21. Oh, bien. Alors on peut peut-être jouer avec le fusil du coup maintenant. Intéressant, mais en tout cas de base, il n'y a pas d'arme à feu. Eh bien écoutez, il y a juste une bombe. Une seule. Et je pense que la bombe, elle a gardé peut-être pour le gros tas qu'on avait dans le cimetière. Eh bien en tout cas, c'était chouette. Vraiment, moi j'ai adoré. Je trouve que c'est le meilleur DLC sur les deux. Voilà, même si celui de Chris était bien. Hein. Mais celui-là, j'ai trouvé encore au-dessus. Et je suis content de voir que ça se termine bien, finalement. Enfin, pas pour la famille Baker, mais pour Zoé et pour Ethan avec Mia. Donc sur ce, c'est vraiment la fin de cette série sur Resident Evil 7. C'était vraiment l'ultime dernière vidéo. Et l'histoire des Baker, voilà, est terminée, c'était la conclusion. J'espère en tout cas que cette aventure vous aura plu. D'après ce que j'ai pu lire depuis le début, ça vous a beaucoup beaucoup plu. Merci à tous pour tout votre soutien que vous apportez aux vidéos tous les jours. La série RE7 a vraiment bien marché. Très bientôt, nouvelle série sur la chaîne, sur un jeu qui a maintenant quelques années. Mais vous allez voir, on va s'éclater. En attendant, bien sûr, les futures sorties, il y aura Returnal à la fin du mois, à la fin de ce mois d'avril. Ensuite, on aura le 7 mai, RE8 Village, forcément. Dans la foulée, le 13 mai, le DLC de Assassin's Creed Valhalla, la colère des druides, il me semble, qui était prévu pour le 30 avril, et finalement, ils l'ont reporté au 13 mai.
Donc on fera ça dans la foulée, et ensuite il y aura Biomutant, il y aura Mass Effect, enfin bon, il y a de quoi faire. Ensuite il y aura cet été et fin 2021, il y aura le Tour de France évidemment début juin. Bref, un programme qui s'annonce incroyable, il y aura le nouveau Ratchet & Clank, enfin bon. Des jeux de fou qui arrivent, et heureusement, parce que c'est vrai que ça fait quelques mois qu'on a absolument rien, qu'on s'ennuie limite. Donc je suis content, ça y est, ça repart, et on va pouvoir se régaler sur la chaîne. Merci encore à tous, en tout cas pour votre soutien, c'est énorme ce que vous faites tous les jours. Vraiment un gros merci, portez-vous bien. Vive les jeux vidéo, et à très bientôt pour de nouvelles aventures !